à votre avis, quel est l'intérêt, quelle est la valeur ajoutée de ces ateliers de la radioprotection? Nous avons des a priori négatifs sur la radioactivité, avec tout ce que ça peut engendrer de néfaste. Et donc ces ateliers nous permettent de découvrir une autre vision de la radioactivité et de son usage en fait. Nous avons réfléchi sur la problématique suivante, c'est-à-dire la science au service du patrimoine. Et grâce à cette problématique, nous avons pu découvrir deux sites, dont un notamment à Grenoble, Nucléart. Voilà. Nos élèves issus donc de parcours différents, de parcours industriels différents, ont réfléchi ensemble sur cette problématique intéressante sur les œuvres d'art. Moi, j'étais loin de savoir qu'on pouvait utiliser la radioactivité pour justement sauver des œuvres d'art. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est déroulé votre travail? On a pris des heures hors cours pour pouvoir s'organiser, pour pouvoir créer le diaporama qu'on a fait et l'oral. Est-ce que tu as le sentiment, après ces ateliers, de mieux connaître la radioactivité? Oui, en quelque sorte, parce que ça nous a ouvert plus de portes, ça nous a appris de nouvelles choses sur la radioactivité qu'on ne pensait pas forcément que ça existait. Lesquelles, par exemple? Par exemple, Art Nucléart, la restauration avec le nucléaire. Moi, je tiens quand même à remercier les élèves et leur sérieux et leur dévouement, parce qu'ils sont venus, moi je les ai qu'en anglais une heure par semaine, ils sont venus en dehors de leur temps de travail, ils sont venus travailler en plus dans des heures qu'ils avaient libres. Donc, je les félicite pour ça, c'est aussi une manière de travailler l'oral. Vous avez vraiment relevé le défi et donc, bravo.